Bon, les potos, ça va quoi? On est là, on se retrouve sur Minecraft. Vous avez vu, j'ai réussi à reprendre le petit rythme des serveurs. Donc, comme vous savez, en ce moment, j'ai le top des serveurs, c'est-à-dire que vous pouvez me faire visiter vos serveurs quand il y a des maisons. Il y a aussi le top des objets, vous pouvez faire voir vos objets comme mon petit Curuxo qui m'a fait voir sa Bugatti. Et il y a tout nouveau, c'est le top des pixel art, les frères. Donc là, on est chez Curuxo, bien le bonjour à toi, ma petite gueule. Eh bien, salut à toi, salut tout le monde. Voilà, si, comme d'habitude, l'achat d'un Curuxo dans le lien, les frérots. Enfin, le lien à du Curuxo dans la description, putain. Et son petit Instagram aussi, si vous voulez lui parler, lui poser des petites questions, il va faire sa petite pub, y a pas de problème, gros. Curuxo tiré du bas YTD. Voilà, les frères. Moi, je fais ma petite pub tout de suite. Si vous voulez m'ajouter sur Instagram, c'est gtabouti-du-bas-mpg. Comme ça, vous pouvez me dire des petits messages personnels ou si vous voulez me parler de vos visites. Donc, allez hop, je te laisse faire la visite, frérot. Là, on est chez le frérot Curuxo pour la partie 2 parce qu'il a tellement de pixel art. On commence là. Ça, c'est sirène, ça, ou je sais pas quoi. Voilà, donc ça c'est Ariel, donc la petite sirène qui est accompagnée de son petit poisson Polochon. Le petit poisson jaune à Là, côté. il connaît tout, le frère, putain. Donc Ariel avec le petit polochon. Ça c'est laquelle? C'est pas Pocanta celle-ci? Ah non non non. Où ça? Là 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 Ah là. non, ça c'est Vaiana. Oui, elle ressemble un peu, c'est vrai. Mais elle a moins les yeux tirés. Pocanta je crois elle a plus les yeux tirés. Ouais, Pocahontas, c'est une chinoise qui bouffe des chats, donc Et elle c'est une quoi elle? Une tahitienne? Bah, elle, c'est une tahitienne, ouais, voilà, c'est ça. Si si. Ça va, ça se voit qu'il s'y connaît le frérot. Et voilà le Donc là, on pixel est art. sur du 232 mètres de haut, donc là, c'est le plus haut que Oh j'ai, là clairement. là Plus là haut que le My là. Little Pony, encore. Ah ouais, plus gros que celui que tu avais fait la dernière fois là. Voilà, Putain. plus haut, mais pas plus large. Ouais, bien fait les frères. Faut savoir que ça c'est un bloc, un bloc, un bloc pour ceux qui s'y connaissent pas. Regardez, un bloc par un bloc, un bloc. Quand tu commences, tu sais pas ce que ça va donner. Et à la fin, ça te donne des énormités comme ça. Fais voir avec la lumière de nuit là. Oh là là. Ça fait beau les petites lumières. J'aimerais bien aussi savoir le nombre de torches que t'as mis sur la map, hein. Putain. Ah, ça j'aimerais bien savoir aussi, mais ça va être compliqué. Si tu veux compter, vas-y, je t'attends. Ah non, 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 c'est bon mon frère. Oh, là. Ah, il est beau. Et celui-là que je voulais pas vous faire la dernière fois, vous avez sûrement dû voir sur la miniature, parce que je le trouve géant. C'est lui les frères. Harley Quinn, c'est ça? Harley Quinn, ouais, du film Suicide Squad. Non, 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 non. Il est énorme et il est bien fait parce que les pixel art d'habitude ils ont pas trop de graphisme, tu vois, leur peau elle est tous autour de la même couleur. Qu'elle t'a fait des nuances de peau et tout, tu vois, des ombrages. Voilà, donc là il y a tellement de détails, il est tellement gros qu'on peut se permettre de rajouter du détail en plus. Voilà, bah c'est Même le ça. pistolet à droite, là on voit clairement les détails du barillet, tout ça. Oh là là, purée. Comment, eh, mettez-moi une note sur 10 la famille s'il vous plaît sur le Harley Quinn là. Et moi je lui mets un 10 sur 10 parce qu'il est vraiment magnifique avec détails et tout là. 10 sur 10 pour le Harley Quinn. J'attends de voir vos notes et si vous kiffez ou pas. Mais sérieusement là, il est énorme. Regardez, je vais faire voir comme d'habitude un bloc et après je m'écarte pour faire voir. Au début tu mets un bloc de bois, un truc goudron à droite. Je sais pas ce que tu vas faire et à la fin ça te donne ça. C'est vraiment trop beau, c'est parce que t'as fait les ombrages et tout. Les différences de couleurs, ça pète. Voilà. Oh là là. Vous voyez ça, les poteaux quand même, comment c'est magnifique. En plus, il y en a plein qui kiffent Harley Quinn, qui aiment bien regarder les films et tout. Oh là 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 là. Propre, 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 propre. Je sais pas si ça serait mon préféré. C'est lequel ton préféré de la map, toi? Je dirais que c'est celui-là, même si c'est pas le plus haut ni le plus grand. C'est celui qui me tient le plus à cœur, je dirais. Ouais, il est vraiment beau, hein. Putain. Il est énorme. Ah non, mais il est énorme. N'oubliez pas de me dire si vous avez des petits pixel art à me faire voir, les frères. Par contre, quand je fais des visites, faut que vous en ayez au moins une petite dizaine, une quinzaine, hein. Je vais pas venir pour 2-3 pixel art, les frères. J'essaie de m'en faire une petite quinzaine. Si vous avez que des pixel art comme ça, là. Oh là là. Oh là 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 là. Putain, il était beau. Enfin, il est beau. Donc là on a Réponse qui fait 160 de haut là, juste là. Si si, 162. Ah là t'as, c'est la copine au Joker aussi ça. Où ça? Au sol là. En rouge et noir? Ouais. Ouais voilà, c'est... Bah là il y a juste la tête du coup. Regardez, t'as fait une maison en guitare, une maison en...
En bubble gum et en tout. En forme de tombe. Alors, si on continue tout droit sur cette rue-là, on en a un beau gros tout au fond aussi. Juste à côté de la montagne. Vas-y. Allez voir. J'y vais, j'y vais. Ah ouais! Ah ouais! Ah, il est beau, lui. Putain. C'est qui celle-ci? Encore une Harley Quinn. Ah, j'avais pas reconnu. Bah, plus Harley en Quinn, mode ma vie, hein, donc, plus en mode dessin animé celle-ci. Celle-là, voilà, plus en mode un peu manga, cartoon. Et celle-là, je crois que y a pas de lampe dessus. Non, t'en as mis aucune. C'est vrai que j'ai oublié de les mettre, mais je pourrais en rajouter à tout moment. T'as mis le Harley Quinn et là je vois il y a des Batman et tout. Oh la folle! En fait c'est le petit quartier super-héros quoi. Tu regardes les murs de la maison là, enfin de la montagne. Ouais. Voilà. Je Eh vois ben y a tu sais quoi que parmi tous les logos que j'ai mis, il y a un intrus. Si tu veux faire un petit jeu pour tes abonnés, il y a un intrus, il y a un logo qui a rien à voir avec les autres. Vas-y, sur toutes les faces ou que sur celle que je suis? Sur la face, après tu peux tourner autour et puis peut-être tu trouveras ou peut-être tes abonnés ils pourront trouver. Mais il y a un logo qui a rien à voir avec les autres, mais que je voulais quand même mettre. D'accord, sur quelle face pour plus nous aider? C'est sur celle où t'étais devant là. Sur celle où D'accord. y a Harley Quinn à côté. D'accord, regardez les amis. Je vous laisse la petite image pendant 30 secondes. À vous de trouver. Il y a un logo qui n'a rien à voir ici. Moi, je m'y connais pas trop en super-héros. Je connais juste le Batman. Le Superman, mais il est violet. Je sais pas si c'est normal. Si. Non, c'est pas Superman en fait celui-là. D'accord. Donc, je reconnais juste Batman et Green Lantern, les frères. Après, le reste, je vous laisse voir. C'est à vous de me dire, comme il dit le frérot Curuxo. Il y a aussi le petit truc tout en haut à droite, là. Il me dit quelque chose, mais je sais pas c'est quoi, ça. Le W? Ouais, on dirait des ailes en or. C'est Wonder Woman. D'accord. Si, merde. Bon, voilà, les frérots. Vous me dites, c'est quoi l'intrus? C'est lequel l'intrus? Il est sur cette face-là. Moi, j'arrive pas du tout à trouver. Déjà, je sais même pas c'est quoi le 4 et la flèche verte, là. Même le petit T. Peut-être Thor, le T, non? Non, c'est Red Tornado, c'est un super-héros de chez DC. D'accord. Donc n'oubliez pas de me mettre c'est qui l'intrus. Et pourquoi pas, tiens, me mettre votre super-héros préféré. Moi, c'est tout con, mais j'adore Flash. J'aime bien, il court vite, il va à fond. J'adore. Ah, c'est si DC Universe. Et c'est quoi là-haut, le truc noir? C'est Justice League. D'accord, DC Justice League. Moi c'est donc Flash le dernier pixel art qui pourrait rentrer dans ta vidéo, ça serait peut-être celui de GTA 5, parce que les autres sont beaucoup plus petits, donc je dirais qu'ils sont moins intéressants que ce qu'on vient de voir. Vas-y, on va finir sur GTA 5. Voilà les frères. Dites-moi votre super héros préféré. Moi c'est Flash. Toi c'est qui, frérot Curuxo, en super héros? Harley Quinn. Harley Quinn. Et logique. Maintenant, si vous pouvez me dire votre méchant préféré, moi j'adore, c'est le Joker. Je sais pas pourquoi, je le kiffe. Et toi, c'est qui? Bah moi c'est Harley Quinn, mais c'est méchant. Après super-héros, je suis plus super méchant que super-héros en fait. Je suis plus super méchant que super-héros. Je suis un bad boy moi, j'y peux rien. Et bah, moi c'est Flash en méchant et c'est... comment il s'appelle, le Joker en méchant. Non, Flash en gentil et Joker en méchant. Eh bien ouais, Bon allez les frérots, sur ce on va pas tarder à finir parce que je vous ai déjà fait voir presque tous les pixel art. Là, on va finir sur un petit GTA V. Il est où? Il est où la crapule? Il est où là du coup? Je vais au GTA. Ah ouais, ok, c'est bon, je te vois. Le petit GTA à côté de la Pokéball. Eh bien ouais, oh là là, qu'est-ce que j'ai pu passer du temps sur ce jeu-là. Oh là là là, le GTA. C'est quoi le petit canard en bas de GTA? C'est Flappy Bird. Là tu es, il connaît tous les prénoms et tout, il assure frère. Bon bah voilà la famille. Beaucoup de lumière, donc. Sur ce, je remercie mon petit Curuxo de m'avoir fait toutes les petites visites. Vous avez vu, il m'a fait les visites par attraction, la Bugatti, les pixel art. Et quand il continuera à construire, bah, il me fera les autres visites. Si vous voulez que je fasse des petites visites chez vous, les serveurs, il n'y a pas de problème quand il y a des maisons. Les pixel art, quand il y en a plus de 10 ou 15, il n'y a pas de souci. Et les objets insolites, pareil les frérots, si vous voulez me contacter, c'est Instagram, j'étais abouti-du-bmpg. N'oubliez pas de me dire votre pixel art préféré, la note sur 10 pour le Harley Quinn. Moi je lui ai mis un 10, Harley Quinn de tout là-bas. Me dire votre méchant et votre gentil préféré. Moi je remercie mon petit Curuxo, il y aura sa chaîne dans le lien de sa chaîne dans la description.
et je vous mettrai une lien de excusez-moi pour le rototo, une de ses vidéos où qui fait visiter son parc d'attraction. Si tu veux faire ta petite dernière pub de ton Instagram, il n'y a pas de problème frère. Kuruxo-YTD. Voilà la famille, il a 6500 abonnés, si on peut le faire venir monter à 7000, ce serait cool les frères. Et bah je vous remercie vous tous, vous me dites si vous aimez bien dans les commentaires les visites, si vous vous dites que je devrais continuer les petites visites de top des serveurs, et si vous préférez quand je fais les objets insolites, les pixel art ou le top des serveurs, pas de problème. Et un petit idée de pixel art, pourquoi pas, si vous pouvez foutre le bordel dans les commentaires, ça serait cool, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Merci à mon petit Kuruxo encore pour tout, et tchuss tchuss la famille, n'oubliez pas de partager à fond. Bonjour bonjour les frères.